beaucoup les filles. Alors je vous retrouve pour un haul. Oui, j'avais dit que j'étais en no buy suite à mon gros pétage de câble du week-end avec fait des vidéos quand elle est venue sur Paris. Mais le problème c'est que je suis faible comme un petit peu toutes les make-up addicts. Et donc aujourd'hui je suis en fait je viens de rentrer il y a quoi 10 minutes et je suis allée dans mon OCB et donc il y a des soldes juste affreuses. Il y a des trucs de malade qui sont en solde et genre des produits Estée Lauder, Lancôme, Dior, Chanel, des trucs des palettes, des blushs Lancôme au lieu d'être à je sais plus 35 €, ils sont enfin bon, je vous invente des prix peut-être mais ils sont à 20 €, enfin bon bref je vais vous montrer, vous allez juste halluciner. Je me suis acheté un truc mais un truc, des stickers. Non je déconne, c'est pas ça. Donc vous voyez ils sont à moins 70 quoi, vous vous rendez compte de la réduction. C'est pas un truc cher à la base, mais il me semble que ça coûte 13-14 €, je me souviens plus. Donc j'ai pris les zébrés. À NoCB, il n'y a pas tellement de choix. Et donc ils étaient à 8,90 €. Donc bah, voilà. Mais bon, en réalité, le mieux, le truc, le top du top, c'est un coffret Lancôme. Donc j'ai payé 50 €. Il y a donc le visionnaire qui est là. Il y a la crème activatrice de jeunesse, donc la génifique. Il y a le génifique yeux, donc le et un autre sérum. Donc il y a le sérum, le contour des yeux et la crème, Et donc bah 50 €, vous dites bien que j'ai sauté dessus pour tester, sincèrement c'est juste top quoi. Alors le visionnaire fait 20 ml, en plus ça partira pas vite étant donné qu'il y a deux sérums et qu'elle m'a dit de ne pas utiliser dans longtemps. Oh ça sent juste trop bon, en plus c'est très parfumé je trouve. Ou alors c'est mes mains qui sont parfumées. C'est bizarre, je suis pas parfumée des mains pourtant. Non, c'est la crème qui est parfumée en fait. C'est agréable. Par contre, si vous aimez pas les trucs, les crèmes parfumées très fortes, évitez parce que c'est vraiment fort. Donc, ensuite, nous avons un sérum, donc c'est le, bon c'est un petit, c'est un 7 ml, donc qui ne veut pas s'ouvrir. Donc c'est un, une petite pipette comme ça en fait. Voilà, alors je sais pas si, un peu comme les sérums Estée Lauder je crois. Il y a aussi des coffrets Estée Lauder à, donc avec le Night Repair il me semble, mais en full size. Et le contour des yeux Night Repair aussi, 60 €. Donc voilà quoi. Donc ça ouais, ça sent pas grand chose de plus. Un peu pareil en fait, j'ai l'impression que les produits Lancôme vont sentir un peu pareil. Donc ça c'est un sérum aussi, donc elle m'a dit de ne pas utiliser les deux, d'alterner un le matin, un le soir. Donc moi je ne mets pas de sérum le soir, donc c'est pour ça que je pense que ça va me faire plus... normalement il y a marqué une semaine, je pense que ça va me faire plus longtemps. Là nous avons génifique yeux, donc un contour des yeux. Ouais, les produits Lancôme sont tous la même chose. Non mais j'ai jamais eu de produits Lancôme à part mon mascara. Donc il est comme ça. Donc ça c'est un petit pot.
qui fait 5 ml. Je pense que ça me fera quand même quelques temps parce que je n'en mets pas spécialement beaucoup. Et en dernier, nous avons une crème, donc Génifique crème activatrice de jeunesse. Donc une crème en fait. J'aime beaucoup les packaging par contre, enfin le packaging de celle-là. Oh, l'odeur est forte hein. Donc il fait 15 ml. Donc je pense que la texture est un peu... Entre le beurre et la crème, c'est agréable en fait. Ça a l'air d'être riche. Ouais, ça a l'air d'être vachement riche. Donc ça, ça coûte 50 € et j'en suis juste trop contente de l'avoir. Mais sincèrement, c'est la fête quoi. Alors, ensuite j'ai eu quelques échantillons, dont un où je suis très très contente, que je vais ouvrir devant vos yeux, ébahis. J'ai eu une carte surprise aussi. Donc j'ai gagné 10 € sur mon prochain achat, donc sans limite. Donc si ça c'est pas le top, devinez ce que je vais aller m'acheter. Oui oui, vous avez trouvé. Le truc Estée Lauder, oui oui. Estée Lauder ou Clarins, il y a Clarins, Estée Lauder, Lancôme, il y a... C'est un truc de fou. Alors j'ai eu un truc Guerlain, en plus j'ai des trucs assez... des échantillons assez... voilà, des marques... C'est un 3 ml, c'est une crème nuit, nutrition, réparation, lift intense. Donc, Abeille Royale, il y a marqué. Donc c'est tout petit comme ça. Avec marqué Guerlain, ça fait très chic, je trouve. Je vais le sentir parce que marqué Abeille Royale, ça m'intrigue. Oh, ça sent trop bon. Oh, je kiffe l'odeur. Oh, je surkiffe l'odeur. Oh la vache, désolée. Ça sent super bon. Après, est-ce que c'est efficace? J'ai eu un échantillon du fond de teint Touche Éclat de Yves Saint Laurent. Donc je l'ai déjà, mais j'ai eu une deuxième fois. Je me suis dit peut-être que cette fois j'aurai ma teinte, mais non. Et j'ai eu, donc de chez Chanel, un téléphone qui sonne. Alors, de chez Chanel, j'ai eu le inimitable intense mascara multidimensionnel sophistiqué en teinte noire. Et donc, il se présente, c'est bizarre en fait, il se présente dans un tube et pas dans dans une petite bouteille, quoi, comment on veut dire. J'ai donné mon échantillon du mascara Lancôme, donc du coup, j'ai plus d'échantillon à montrer, mais bon, j'ai ce que je veux dire, quoi. C'est un tube, genre un tube de crème, et en fait, c'est bien le mascara. Il pue la mort par contre. Et la brosse, c'est des picots. Donc je le testerai. Mais elle m'a l'air pour... J'aime pas trop les picots, mais bon, pourquoi pas. Et pour l'instant, j'ai testé plusieurs mascaras et il y a personne qui détrône mon Hypnostar. Hein. Peut-être l'un des derniers, mais chez Lancôme, j'aime beaucoup les mascaras Lancôme en fait. Donc voilà, j'ai eu tout ça en échantillon. J'en ai eu que 3, mais je trouve que... Ça, ça sent super bon. Alors, s'il n'y a pas une réduction là-dessus. Donc, voilà. Je suis rendue dans ma parapharmacie. Mais là, par contre, j'avais réellement des achats. En fait, à la base, j'allais juste pour ma parapharmacie. Parce qu'il fallait vraiment que je rachète. Donc, ma petite routine pour mes boutons. Donc, mon Effaclar AI. Ainsi que mon Keraknil. Donc, ça, vous êtes d'accord avec moi que ce sont des achats utiles étant donné que je les utilise absolument tous les soirs. Ainsi que ma bébé crème de chez Herborian que j'ai acheté en grand cette fois. Oui oui, parce que je la surkiffe quoi. Donc je l'ai acheté en grand. Voilà. Je me suis ensuite acheté un truc du laboratoire Ducray. Donc je me suis dit que ça pourrait aller avec mes petits boutons. Étant donné que ça marche juste du tonnerre, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Ouais, ça sent pas trop mauvais. Et donc, Keraknil, donc c'est une lotion purifiante, assainit, matifie, resserre les pores, donc pour peau grasse et imperfection, évidemment.
Donc qui se présente dans une bouteille comme ça. C'est une 200 ml. Donc utiliser Keraknil, lotion purifiante à l'aide d'un coton le matin ou le soir sans rinçage. Donc ça c'est juste top. Sinon si je dois rincer, je vais aller dans la salle de bain et tout, ça me saoule. Que là au moins je suis pas embêtée. Je suis contente d'avoir ça. Alors ça coûte... Ça coûte pas un bras. 8,95€. Moi je trouve qu'on peut trouver des trucs en parapharmacie juste top. Ça je l'ai payé 26,80€. Encore une fois je n'étale pas mon argent, je vous donne juste les prix pour info. Le stop bouton 7,80€. Et le Faclar AI 7,95€. Donc les Faclar AI c'est... De toute façon je vous ai fait une revue, je vous mettrai le lien de la revue ici. Et ensuite, donc faible que je suis allée à Leclerc. Parce que j'ai envie de tester... J'ai eu envie de tester la coloration qui passe en ce moment sur les pubs quand vous voulez regarder une vidéo. Je sais pas si ça vous le fait, vous. Mais toi, vous avez des pubs avant. Donc, il y a la coloration Olia présentée par Christina Cordula. C'est donc qu'elle s'appelle comme ça. Enfin, par René. Il me semble, c'est vraiment bref. Donc la marque donc, de chez Garnier. Donc moi j'aime bien Garnier, donc ça me va. Donc Olia. Et donc moi je l'ai pris en noir absolu. Voilà. Donc moi j'ai bien envie. Étant donné que j'ai déjà les cheveux noirs, ça va donner quelque chose d'encore plus intense. Étant donné que moi je fais des colorations un petit peu... Voilà, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc ça coûte 10,78€. Et c'est censé tenir... Coloration permanente. Et c'est censé tenir... Aucune idée. Aucune idée. De toute façon, ça doit être marqué dans la notice. Ensuite, je me suis repris des cotons pour me démaquiller. Mais bon, je vais pas vous les montrer. On s'en fout un peu. C'est les mêmes que d'habitude. Hein. Mais bon. Alors ensuite, je me suis repris mon gommage au sucre de violette de chez Cottage. Ensuite, Dingo. Je l'aime. Et, donc j'ai payé 2,31€. Et j'ai pris... Donc, Big Mouth douche, gel douche à la violette violet. Ça m'a fait rire par contre. La violette violet. Bref. Et qui sent. Alors qui fait moins sucré que celui-ci. Ouais, ça sent moins fort en fait. Mais bon, on s'en fout. Ça sent super bon la violette. Là, je suis dingue quoi. Je me gomme avec ça et après je me lave avec ça. Et donc celui-ci ne coûte pas spécialement plus cher que le gommage. Puisqu'il coûte 3,89€. Il fait 750 ml. Et celui-ci fait 250 ml. Donc celui-ci est beaucoup plus cher que celui-là. Parce que franchement... 250, il y a 500 ml en plus et il y a 1,56€, 1,57€ en plus. En fait, pour 500 ml, vous payez 1,57€ en plus. Bon. Donc voilà, c'était mon petit haul. Oui, c'était un petit haul, mais je tenais vraiment à vous faire partager mon petit achat Nocibé. Et surtout, si vous avez un Nocibé près de chez vous, mais allez-y. Hein. Je sais pas, par contre, je me suis pas renseignée si c'était des soldes juste chez eux. Parce que c'est réellement des soldes. Il y a des soldes sur les parfums. C'est sur les parfums, sur le make-up. Mais surtout, absolument tout, sur les coffrets Clarins, Estée Lauder, Lancôme, Elisabeth Arden, Biotherme, Biotherme Homme, Biotherme Femme, Clinique...
vraiment tout en fait, vraiment 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 tout. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et donné des envies d'aller faire un petit tour chez Nocibé, crapahuter dans les petits rayons. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.